Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 135e épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui à un sujet que je trouve très intéressant. Donc on va jouer sur une seule corde, voilà, ce soir. On va oublier le sweeping, le tapping, le legato, quoique le tapping on peut, le legato aussi, mais le sweeping, les patins, les couffins, les... On va se concentrer sur une corde et pas pour faire le cake, c'est pas un challenge. C'est en fait pour se forcer à sortir la musique de soi en fait. Parce que on parle beaucoup de gamme, de position, etc. Mais je trouve que le jeu horizontal est très important. Si on, comme je l'ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, hein, on en a pas, j'en ai tellement fait maintenant que je sais plus, mais si vous voulez, on oublie le jeu horizontal, donc jeu vertical, ça serait jeu en position. Jeu horizontal, ça serait jeu donc sur le long du manche. Et j'ai lu ça notamment dans la méthode de Mick Goodrick, dont j'ai fait une petite chronique il y a quelques semaines. Le guitariste en évolution pour les Français, ou The Advanced Guitarist, enfin je sais plus, guitariste en évolution, je sais pas. En tout cas, voilà, lui parle de ce concept-là, de jouer sur une seule corde. Voilà. Donc ça, c'est ce que lui appelle Mick Goodrick un exercice à handicap en fait. Voilà. Et je trouve ça plus qu'intéressant en fait, puisque ça nous oblige à faire de la musique et pas de sortir des plans en fait. Quand on casse les habitudes, on trouve des nouvelles idées et je trouve ça plutôt intéressant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un métronome, une boîte à rythme, peu importe, et de vous choisir une corde. Par exemple, on va prendre un truc simple, on va faire mi dorien sur la corde de si, par exemple, hein. Donc si on considère toutes les notes auxquelles on a droit sur la corde de si, on aura droit à si qui est la quinte, d'accord, do dièse qui est la sixte majeure, ré qui est la septième mineure, mi qui est la fondamentale, fa dièse qui est la seconde ou la neuvième comme vous voulez, sol qui est la tierce mineure, la qui est la quarte, et si à l'octave ici qui est la quinte. Ok, donc lorsqu'on s'entraîne à jouer sur une seule corde en fait, on a des nouvelles idées qui viennent. Notamment, on a plus tendance à se concentrer sur le son, d'accord. Et si on le fait sur chaque corde, faites-le sur chaque corde parce que l'attaque n'est pas la même, puisque les cordes n'ont pas la même taille, en fait. Donc l'attaque, elle n'est pas la même, d'accord. Ok. Donc, et on fait du son parce que des fois, je réalise, bon, on est beaucoup dans la technique et tout, mais des fois, on en oublie la musique, on se pose beaucoup de questions, quelle gamme, quel truc. Mais quelle mélodie, quel rythme, quelle nuance, quelle émotion. Il faut, des fois, je pense que c'est intéressant puisqu'on est très très... enfin, je parle beaucoup de science, on va dire de science de la musique entre guillemets. J'ai remarqué ça en regardant un peu la liste des vidéos. Mais on en oublie un peu le côté spirituel, hein, là où on se laisse aller, où on se laisse aller dans la musique, vraiment. Chose qui arrive par exemple quand j'improvise seul, quoi. Je me laisse aller complètement dans la musique, libéré de toutes les, on va dire, les appréhensions, les barrières peut-être, on pourrait appeler ça des barrières ou des frontières, je sais pas. Parce que finalement, moins on en sait, plus quelque part on est créatif, puisqu'on est brut de décoffrage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on n'est pas influencé par quelques règles qu'on vous dit. Alors le 2-5-1, tu joues ré dorien, enfin tu joues dorien sur le 2, super locrien sur le 5, et sur le 1 tu joues lydien. On s'en tape, quoi. Clairement, on s'en tape. C'est intéressant, moi ça me passionne réellement, mais au final, est-ce que c'est réellement constructif au bout d'un certain moment? Quand on bosse tous ces plans, etc. Sûrement, hein. Là, je suis dans... Aujourd'hui, je suis là-dedans. En tout cas, je suis dans un truc un peu plus, comment dirais-je, un peu plus abstrait, je dirais. Mais abstrait, on va dire... ça peut être abstrait, mais on va dire... Non, on va dire semi-figuratif, ok, pour parler un peu... Donc, ce que je vous conseillerais, moi, c'est vous mettre une boîte, là. Par exemple, je mets mon Drone Genius. Est-ce que vous m'entendez bien? Okay. Et comme je vous dis, je fais mi dorien sur
sur la corde de si. Là, bon, je te laisserai ça, j'ai fait des pains. D'ailleurs, je viens de... Enfin, ça m'a fait bizarre quand j'ai ouvert les yeux, que j'ai vu la caméra, ça m'a fait bizarre. Donc j'étais, on va dire, dans la musique à ce moment-là. J'ai fait des pains, je les laisserai puisque voilà, je suis honnête, quoi, je suis authentique. Voilà. Donc là, par exemple, on est dans autre chose, quoi. On est dans autre chose. On fait de la musique, on est archaïque. On a un instrument avec une seule corde, un morceau de plastique, ou pas, ou les doigts pour jouer, et on fait du son, quoi. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que... Je trouve ça intéressant parce que... Il faut... Voilà, il faut des fois travailler son son. Je reviens parce que des fois, je regarde des leçons... des leçons de mecs... travaillent plus leur look visiblement que leurs oreilles et la personne te montre l'exercice quoi mais lui il fait pas bien en fait c'est marrant quoi il te dit il faut jouer lentement les gars ah bon bref moi je si tu
je pense que effectivement, même si on veut être un shredder, il faut jouer lentement parce que il y a cette notion de toucher. Je reviens souvent à lui, mais écoutez Sylvain Luc, les gars. Écoutez Sylvain Luc, même si vous aimez pas ce style, rien que parce que le gars, déjà, il a le plus beau toucher qui soit, quoi. Et regardez, quelle que soit la guitare qu'il ait, il a le même son, le gars. Et c'est ça qui me subjugue le plus chez lui. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Toulon. Il jouait juste à côté de chez moi, là, j'ai une place pour le festival de jazz à Toulon. Donc bon, comme j'habitais à côté et que je suis à la pied, j'ai un peu essayé de le voir. C'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais c'est votre son qui me... Il a son. Voilà, c'est ça qui est... Et j'essaye de comprendre, et j'ai compris quelques trucs en le regardant, et ce que j'ai compris surtout, c'est que chacun avait son son, et que ce qu'il fallait, c'était développer son. Parce que de toute façon, si je voulais avoir la figure de Brad Pitt, je pourrais pas, même si jamais je me faisais opérer chirurgicalement, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'on est avec ce qu'on... On est avec ce qu'on a. On peut pas faire autrement, donc il vaut mieux développer ce pour quoi on est fait, en fait. Et c'est votre son. Moi, j'ai l'impression, quand je m'enregistre, quelle que soit la guitare, j'ai toujours le même son, et je vous dis pas qu'il me plaît. Mais... Alors des fois, j'essaie de changer le médiator, j'essaie de faire ça. Essayer de faire maintenant, je vais essayer de changer. Je vais me mettre sur la corde de ré, tiens, ré, et je vais faire ré lydien. Et je me mets une boîte à rythme, je change, je mets au pif, d'accord, et je fais du son. Tiens, funky trade, on est le 13 aujourd'hui. Faut pas rêver toute la maison, sinon on va voir de dark et ma fille là.
Voilà, là j'essaye des trucs. Donc les accentuations, ça donne des idées, des accentuations. On répète certaines notes. J'exagère pour me forcer à travailler ça, du coup, et pour vous faire écouter. Après, est-ce que je joue là? Regardez Harry Johnson, comme il change d'endroit quand il joue. Où est-ce que je joue là? Est-ce que je coupe les aigus de ma gratte? Est-ce que je me mets micro position du milieu et je coupe un peu les aigus? D'accord? Ou est-ce que je me mets en position aiguë et je joue vraiment là, collé? Ok. Allez, on change un peu, on se fait l'accord de mi grave. T'es parlé à Mante ? Pourquoi pas, tu vois ? Mi grave, et on fait quoi comme ton ? La phrygien. J'ai fait une corde en dessous, donc j'avais pas le droit. Je suis archaïque, je joue une note, une corde. Que c'est un exercice très très intéressant, voilà, et notamment chercher votre son,
Je sais même pas si j'ai fait une seule note au niveau du toucher qui me convenait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là-dessus, il y a une vie de boulot. Et comme je vous dis, j'en reviens à Sylvain Luc parce que j'ai eu la chance de faire... bon, je vous l'ai déjà dit, je raconte ma vie, je radote même, mais j'ai eu la chance de faire un masterclass avec lui. Et pendant 2 jours, j'ai joué... il était là. Et là, j'ai essayé de manger tout ce que je pouvais manger, c'est-à-dire essayer de... J'ai enregistré des trucs dans mon portable, d'ailleurs qui m'a demandé de ne pas partager, enfin de ne pas diffuser, ce que je respecte tout à fait. Il nous a demandé, il y a des gens qui ont filmé, mais il a demandé à ce que ça ne soit pas diffusé, parce que je comprends, un gars comme ça, c'est normal. Mais finalement, ce que j'ai retiré... de ces 2 jours, c'est les choses de base, à quel point cette personne donc maîtrise les bases, si vous voulez. Il a des bases qui sont l'exercice. Il nous a montré un exercice, comme je l'ai déjà dit dans sûrement plusieurs vlogs. Un exercice donc avec tous les doigts, il disait que les concertistes, les plus grands concertistes de guitare classique mondiaux faisaient ça. Des fois des heures. Et il y a des personnes qui suivent le vlog qui m'envoient des fois des vidéos de gens qui font de la guitare classique. Il y a notamment Manouk qui m'a envoyé une vidéo où la femme, quand elle commence à jouer, elle fait 2 notes, vous avez compris. Le son, ça. Il n'y en a pas un que j'ai fait pareil, là, par exemple. Vous voyez? Le son est différent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte avec le son de la caméra, puisqu'en fait, ma caméra prend le son qui sort de mon ampli qui est là, et des fois, je galère. Mon son est assez correct de l'ampli qui sort là. Mais des fois sur la caméra, des fois les graves ils bourdonnent, les aigus sont un peu agressifs. Que vous vous rendez compte de choses, croyez-moi sur parole, même si vous êtes le meilleur shredder du monde, vous avez la technique la plus avancée qui soit, je pense que vous devriez même faire ça. Et je pense qu'il s'agit de la même chose pour le médiator. J'ai un bon son. Je l'ai perdu. Vous voyez l'idée. Donc voilà. Donc voilà pour cette leçon un peu comment dirais-je, un peu différente de d'habitude. Il y a moins d'informations peut-être. En tout cas, si jamais vous êtes arrivé là, c'est que vous regardez le vlog régulièrement et activement. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment fort. Tous ceux qui suivent, qui me commandent, qui m'envoient de... J'ai encore reçu aujourd'hui une personne, donc Karim, il m'a envoyé des sources. Manouk, je vais vous citer. Franchement, je vais le faire parce que il y a des gars qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu les larmes aux yeux, les gars. Tellement que c'était sympa. Je vais vous citer parce que je me souviens pas de les prénoms de tout le monde. Et des fois, je suis obligé de regarder la conversation parce que vous êtes nombreux quand même. Donc, Johnny, je te remercie, il m'a proposé des sujets, c'est génial. Flo, Quentin, Nico, Vanessa, Wellbred, Rémi, Laurent, Joe qui est
omniprésent dans le vlog, Matthews, Paul. Paul, il y en a plusieurs des Paul, il y en a au moins 3 ou 4. Jean-Marc, Julien, Christian, Chris, Manu, Cad, Boris, Nathalie, Pierre, Loïc, Gérard, bon, Gérard qui est ultra présent, Vincent, Gianluca, Steve, Kevin, Myriam, Ricardo, Camille, Jamel, Emmanuel, Ron, Maria, Robert, Auré, Manu, Nico. Allez, après, j'ai pas toutes les conversations. Les gars, je vous remercie du fond du cœur. Et j'exagère pas quand je vous dis ça. Les gars, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment fort, quoi. Voilà. Merci. Merci de participer aussi. C'est ça que j'aime. C'est merci de participer pour les gens qui mettent des commentaires qui sont constructifs. Merci de m'envoyer des sources et de me donner des idées. Les gars, je vous dis merci, quoi. Voilà. Et je vous dis à demain pour le 136e épisode du Guitar Vlog. Allez, bye. Bossez bien.